Nous sommes en colère de raconter toujours la même histoire. Nous sommes en colère parce que nous nous souvenons. Tous les Grecs durent se réunir à Aulis afin de partir pour Troie, d'où il ne resterait pierre sur pierre. Tous se rassemblèrent et maintenant, il n'y a pas de vent. Je dois donner l'exemple. Mais tu trouves ça juste ? Juste ? Oui. Je te demande si tu trouves ça juste de tuer ta fille. Ma fille. Je suis heureuse de me souvenir. Merci de m'avoir rappelé à toi. Ne me remercie pas, tu ne te souviens pas encore de tout. Quelque chose t'attriste. La tête d'un roi est souvent chargée de tristesse. Oublie le roi. Maintenant, tu es le père. Te souviens-tu être venu me voir pour me confier combien tu étais perdu ? Que la guerre était ta raison d'être ? Que la victoire sur Troie était ton seul objectif ? Ne les laisse pas me voler ma gloire ! Voilà ce que tu as dit, non ? Si nous leur demandons de dire d'une seule voix ce qui est bon pour tous les Grecs, ils diront « Oui ! Oui ! Iphigénie doit mourir !» Je ne laisserai personne toucher Iphigénie. C'est comme si à Dieu t'étais apparu. Nous n'allons pas perdre de temps en paroles. Nous nous souvenons que le cœur danse. Les femmes dansent une danse de colère. Je veux sauver ma fille. Te sauver. Nous sauver. Clytemnestre embrasse Iphigénie. Ulysse dit, il est temps. Et nous sommes en colère. Achille dégaine son épée, il dit, il est temps. Ménélas reste silencieux. Et nous sommes en colère. Les soldats commencent à approcher, tout le monde dit, il est temps. On dirait, c'est le vent. Une brise, peut-être. Le vent.